Hey, salut tout le monde, c'est Orenzia. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, nouvelle petite présentation de jeu. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Spelunker Party. C'est un petit jeu qui m'avait l'air bien sympathique. Alors, c'est un jeu qui vient surtout de Square Enix. Hein, chose qui est vraiment particulier parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de choses. Square Enix, on est surtout habitué par rapport au Final Fantasy, Dragon Quest ou RPG, tu vois. Mais pas un jeu de party. Et j'avais dit... vu qu'il était passé dernièrement en promotion, je m'étais dit, voilà, il faut quand même que j'essaye un peu ce jeu-là. J'avais vu de bons retours par rapport à ce petit jeu qui est synonyme d'amusement, parce que Party, pour moi, ça me fait penser à Mario Party, ainsi de suite. Et ben, on va savoir un peu ce que ça donne. Je n'ai aucune idée du gameplay, je n'ai aucune idée de l'histoire, s'il y en a une. En tout cas, j'avais envie de le découvrir avec vous. Et ben, ce jour-là est arrivé, c'est aujourd'hui. On va s'amuser un petit peu. Et on va surtout voir ce que donne Spelunker Party. Parce que c'est un jeu qui encore une fois, n'a pas eu de... Je trouve ça bizarre, hein, venant de Square. N'a pas eu de pub, je sais pas. Et là, c'est vraiment dommage, parce que on est sur un jeu qui pourrait être sympa, qui change un peu de l'ordinaire, hein, bah, par rapport à Mario Party, par exemple, si c'est vraiment ce que je pense. Donc, il est temps de savoir ce que vaut Spelunker. Donc c'est parti les amis, regardez ça avec moi. Cave, item box, ranking option. Donc le jeu est en anglais. Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Est-ce que... Non, bah non, apparemment non. Donc on va faire, je sais pas, peu importe. Contrôle, d'accord. Toujours pareil. Confirme, est-ce qu'on a... On va faire dans les options, peut-être qu'il y a du français, peut-être. Story, musique, effect, vibration, d'accord. Europe, ok. Donc pourtant je suis en Europe, hein. Non, apparemment non. Bon bah tant pis, donc ce sera exclusivement en anglais. Rien d'insurmontable j'imagine, mais quand même, tu sais, des fois quand tu joues, j'aime bien que le jeu soit en français parce que... Bah je sais pas, moi je suis... Ce que je trouve un peu dommage... Explore alone, ouais, on va explorer ça seul. Ce que je trouve dommage... Sincèrement, dans les jeux comme ça, qui n'y a pas de traduction, bah, je me dis que voilà, en tant que français, on est un peu laissé à la ramasse, tu vois, parce que certes, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, d'accord. Donc on peut sauter. Ok, d'accord. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est laissé un peu à la ramasse, tu vois, parce que bah, c'est dommage qu'on n'ait pas de... On n'est pas de jeu traduit, mais où est-ce qu'on va, tu vois? Pourtant, on est friands de jeux. Et ça, tu vois, je trouve ça vraiment particulier, ce genre de... Attends, mais comment je fais pour... Je veux bien... Alors, attends... Ah! Non. Ok, d'accord. Ok. L et L. Voilà. Donc ouais, c'est un peu dommage, mais bon, après on s'y fait. Le truc qu'il faut, qui est, bon voilà, c'est vrai que je m'étais déjà posé la question plusieurs fois, surtout quand il s'agit de RPG, hein, de JRPG importé, et ben je me pose souvent la question, je me dis, mais c'est dommage, on a très peu de traductions, mince, tu vois, on a très peu de traductions de jeux, et moi je trouve ça vraiment dommage. Et ça m'embête parce que des fois il y a des jeux qui méritent d'être connus, hein. Par exemple ce petit... Même les sauts, on n'arrive pas à les faire. Même ce petit Spelunker qui a l'air vraiment sympathique, et ben tu vois, c'est dommage qu'on puisse pas avoir une simple traduction. Mais où est-ce qu'on va, quoi? Ouais, sérieusement, où est-ce qu'on va? Et tu te dis, mince, il y a des jeux comme ça qui peuvent être plus ou moins sympathiques. Et toi, tu peux même pas avoir une traduction. Donc après, pour les plus jeunes qui malheureusement n'ont pas la chance de parler anglais, ou... D'accord, il y a même des pièges comme ça, mais d'accord. Et ça, je trouve ça vraiment vraiment dommage. Back. Donc en fait, on est dead. Game over. Voilà, on est dead. On s'est pris un pic. Bon, ça commence bien. Ah, hey, on va recommencer. On va voir ce que ça donne, parce que bon, là c'était le début. On change item, non, on change rien du tout. Start game guess. Et franchement,
Franchement, pour des jeux qui où il manque une traduction, bah, je suis un peu des fois dégoûté d'y jouer parce que bah, ça veut dire qu'on n'est pas pris qu'on est prêt, enfin en tant que français ou peut-être même en tant que cité ou en tant que qu'autre langue, bah, on n'est pas pris en considération et ça vraiment ça me chagrine vraiment et je trouve ça vraiment vraiment dommage de la part de certains éditeurs qui se foutent un peu de la tête du monde quoi, parce que certes, l'anglais, tout le monde le parle, ou à peu près tout le monde le parle, mais en fait, tu vois, par exemple, les jeunes n'ont pas forcément encore la particularité de pouvoir parler cette langue, et ça serait un petit jeu qui pourrait être pour les plus jeunes. Et ben non, tu peux pas leur faire, parce que ben, les pauvres, ils sont perdus. Donc ça, ouais, je trouve ça un peu dommage. Mais là, on parle de Square Enix, mais il y en a bien d'autres, hein. Bah, je veux pas citer Miss America, mais pour des fois, Miss America sur certains jeux, par exemple, il y a eu par exemple certains jeux qui n'ont pas été traduits. Bon, après, il y a eu une mise à jour qui a fait que ça a été traduit, mais voilà quoi. Donc, on peut pas non plus jeter la faute. Non, mais se fout de moi là. On peut pas jeter la faute à tous les éditeurs, hein, c'est peut-être pas simple, ou du moins avoir une traduction correcte, c'est pas simple non plus, mais c'est, enfin, oh, au secours quoi. Sérieusement les amis, y a un moment, pensez-y, hein, on est peut-être pas nombreux à parler français, hein, mais en Europe quand même, y a pas mal de gens qui parlent français, hein, donc faudrait quand même essayer d'imaginer que c'est pas simple pour les gens. Qui veulent ne serait-ce que jouer à un jeu correctement, et voilà. C'est pas un coup de gueule, hein, c'est loin d'être un coup de gueule, je suis pas comme ça. Mais c'est juste, voilà, c'est vrai que c'est dommage. Enfin, donc pour l'instant, le petit jeu a l'air sympathique, hein, rien d'insurmontable. Par contre, je m'en doutais qu'il allait avoir une pierre. Alors par contre, là, hop, attention. Voilà, on est passé, attention, hop là, hop, vite. La pierre s'est cassée, d'accord. La pierre s'est carrément cassée contre la paroi. On a fini, bah c'est bien, bravo. Avec 5 vies, je suis pas mort. Bravo, bravo. Bah, moi je dirais que le jeu est pas mal. Le jeu est pas mal. Après, ouais. Ah, il y a des niveaux, d'accord, en plus. Donc, j'imagine que tu montes, d'accord. Qu'est-ce que tu montes? Qu'est-ce que tu obtiens? Qu'est-ce que tu fais quelque chose? Non, je sais pas. Ah, on a quoi? Des pierres? D'accord, ok. Mountain Girl Google. D'accord. En fait, tu récupères de l'équipement en plus, ok. On va essayer de faire l'autre. Pour une première partie, ouais, ça va, ça reste correct. Après, franchement, si c'est ça tout le long, j'ai peur d'être ennuyé. Au moins de 10 minutes, on s'est un peu fingé, tu vois. Mais bon, et on va pas non plus se plaindre, hein, le jeu vient de commencer. C'est un petit jeu que je voulais vous présenter. Il était pas spécialement cher. Attention. Allez. Waouh. Alors, le truc à savoir, c'est que pour ce genre de jeu, je suis pas spécialement fan, tu vois. Je suis pas spécialement fan. Mais bon, ça change un peu sur la chaîne. Ça fait un peu de neuf. Au lieu de toujours se taper, entre guillemets, du RPG, ça plaît pas forcément à tout le monde. C'est pas hyper répandu comme style de jeu. Donc là, j'ai dit, vas-y, on va changer un petit peu. Ça fait du bien au moral, on voit d'autres choses. Et puis, bah, on s'amuse peut-être tout autant. C'est quoi ça? Ah, ok. Vite. Ah, d'accord, on peut pas. Ok, bon. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Je sais pas. Enfin bref, on s'en fout. Si j'arrive pas à avancer, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait en haut. Ouais, j'ai tout fait. Allez, on y va. On va à droite. Hop. Oula! Attention! Là, c'est d'Indiana Jones, les amis. Là, j'ai 3. Voilà, boum, boum, boum. Parfait. Ah! Génial. Donc, ouais, pour l'instant, c'est un petit jeu qui mérite ouais, une petite note bien sympathique. Après, la chose à savoir, c'est que moi, ce qui m'avait attiré, je le dis franchement, et c'est le cas. Ce qui m'avait attiré, c'était le fait que ça soit Square qui est l'éditeur. Je vais pas être méchant, hein, c'est pas du tout mon genre, tu le sais, tu forces, tu me connais. Il y a rien de Square là-dedans. Franchement, il y a rien de Square. Il y a,
Il y a aucune patte, il y a même pas la patte graphique à Square, tu vois, qui est quand même assez assez bien particulière. Et là non, il y a rien, c'est un petit jeu, voilà, c'est un petit jeu de partie partie cool. Ouais, j'imagine que entre amis, c'est bien plus fun. Malheureusement là, j'ai pas d'amis avec moi pour essayer le jeu. Et donc bon bah tant pis, on fera avec et on s'amuse peut-être tout autant. C'est bon ? Et ben bravo. Voilà. Allez, on finit la dernière partie. Hop, il y a peut-être des choses à récupérer en haut. Il y a toujours tout un tas de choses à récupérer dans les souterrains. C'est dingue cette histoire. Regardez-moi ça. Hop, combien de vies ? J'ai 6 vies. Attention. Ah, Indiana Jones peut aller se rhabiller, les amis. Ouais, il peut aller se rhabiller. C'est pas comme ça qu'on va trouver l'arche perdue. Non. Voilà, on a fini. Bravo les amis, bravo, grâce à vous on a réussi à trouver je ne sais quoi, 4 je ne sais quoi, je sais même pas ce que c'est. Ouais. Donc total score 25400, bravo. Donc, level up. Donc on passe au niveau 3. Bah c'est génial. Qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on gagne quelque chose? Non. Bah ouais, d'accord. Bah rien du tout. 4 heures. Qu'est-ce que ça nous donne ça? 4. Firefighter, ah ok, helmet, donc le casque. Donc j'ai dû louper quelque chose dans la première partie. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut back? Attends, on va voir si back, est-ce qu'on peut changer d'équipement? Parce que faut quand même qu'on regarde si on peut changer d'équipement, ça pourrait être sympa. Item box, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, alors attends, hop. Ok, allez. Change set, qu'est-ce qu'on a? Quoi? On a rien? J'ai récupéré un truc, tu te fous de moi quoi? Bah non, apparemment non. Ok, d'accord. Alors ok, d'accord, tu peux changer, mais t'as rien à changer. Ok, donc là, les items. Qu'est-ce qu'on a dans item? Item power up. Ah, c'est un item, ça, d'accord. Ouais, mais sauf que je peux pas le mettre. D'accord. Ok, level 1, on peut rien mettre. Ok, bon, bah écoute, bah tant pis, quoi. Tant pis, franchement, c'est déplorable. Déplorable, tu récupères un casque sympathique et tu peux même pas l'utiliser. Bon, bah écoute, tant pis, hein, tant pis, on n'est pas là non plus pour... Qu'est-ce que c'est? Un stage 1, Adventurer Win. Et là, on a... Ah, c'est quoi en rouge? Ah, c'est peut-être la fin du vert, je sais pas. On va essayer le bleu, tiens. Alors, on va... Attention, oula, là, c'est pour les aventuriers. Alors, change item. Ouais, non, mais tu peux... Ah, tu vois, j'ai rien, là. Pourquoi c'est quoi ce beans? Bon, allez, on s'en fiche, allez. C'est pas grave, on change pas d'item. Start game, yes. Alors, mais ouais, ça, c'est, des fois, ça me dégoûte un peu, ce genre de problème de traduction pour les jeux. Ça m'embête, parce que j'aimerais faire découvrir, comme par exemple aujourd'hui, tu vois, j'aurais bien aimé vous faire découvrir ça, ce petit jeu sympa, même s'il n'y a pas forcément besoin de parler anglais pour ce petit jeu. Hein. Ça, c'est vrai, là-dessus. Mais, attention. Ah, faut se rapprocher. Et en fait, on est dans Luigi Mansion. C'est un mélange. C'est un mélange de tout. Et donc, ouais, non. Attention. Allez. Voilà. Mais non, mais c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage pour ce type de jeu de devoir toujours se... On va dire se plaindre. Parce que c'est ça, c'est on se plaint énormément. Mince. C'est vrai qu'il faut sauter, il peut pas tomber, tu sais. C'est quoi ce beans? Allez. Hop, c'est fait, hop, c'est parti. On s'en va. Attention, hop, petite, c'est bon, j'ai la clé rouge. Génial, on saute sur la plateforme. Donc, bah, je dirais, aucune difficulté. J'imagine que, comme d'habitude, ce genre de jeu parti, accompagné d'amis, doit être beaucoup plus rigolo, beaucoup plus fun. Bon, là malheureusement, comme je te l'ai dit, il n'y a personne avec moi. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour... Ben non, j'ai sauté, tu te fous de moi, quoi. Oh, c'est dingue, ça, c'est dingue, cette histoire. Ils sont là ou pas? Non, on les a eu, c'est bon, ils reviennent plus. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais ouais, non, ouais, le jeu est plus ou moins sympa. Alors attends, il faut attendre qu'il avance, en plus il est lent. Allez. Et, hop, ça, je peux pas aller là-bas, dommage. Alors, en plus, elle a fait des sauts que vertical, donc il y a même pas de diagonale. Non, jamais. Trop dur pour elle, trop dur.
Alors attends, hop. Pourquoi? Alors attends, faut que je me mette là. Hop, tu sautes. Mais pourquoi il y a ce genre de soucis là? Tu vois, je peux pas. Ah, peut-être que c'est à plusieurs. D'accord. Ok, je comprends mieux. D'accord. Bon, écoute, on est que seul. Hop là. Oula. Oula. Oula, oula. Oula, 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 oula. Vite, vite, vite. Non, mais non, t'as abusé. Ah, dommage. Bon. Oh non, mais non. Mais c'est ridicule, là. Non, il m'en faut peu pour rager les amis. Il m'en faut peu, mais là, c'est dégueu. Là, venant de la part du... Franchement, le... Non, mais... Ah. Attention, on saute. Hop là. Là, il a fait des sauts pourris, quoi. Elle a fait des sauts pourris, la jeune fille. C'est dommage. C'est dommage. C'est même pas une athlète de haut niveau. Bon, ok. Écoute, là, on a bien avancé. Ah, troisième partie. Je crois qu'il n'y en avait que deux, je ne me rappelais plus. Donc bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Attention, on va sauter. Hop, on va voir ce qu'il y a en bas. Peut-être qu'on va découvrir quelque chose de sympathique. J'imagine qu'elle ne s'est pas rampée, hein. Je pense pas. Ah si. Ah, la mauvaise langue que je suis. Attends. Ah non, c'est quoi? Je peux pas. Ah non. Oh bah tant pis, allez, on s'en va. Oh mais ça va vite Voilà, hop, oula. Allez, allez, allez. Hop. Voilà, hop, comme ça on l'a fait, on récupère un peu d'énergie. Je sais pas trop ce que c'est en haut, mais bon. Voilà, on a fini. Ouf, les amis, ouf. Et franchement, ce sera la dernière partie que... La dernière arène qu'on va faire, parce que ça s'appelle des arènes. C'est même pas des souterrains, c'est des arènes. Et franchement, pour un petit jeu comme ça, que je sais plus combien j'ai payé ça, je sais plus, je te dirais une bêtise. Enfin, c'était pas la fin du monde. Mais je trouve que c'est un peu le prix est un peu claqué, tu vois, par rapport à ce que c'est. Parce que si t'as pas de potes, si t'as pas d'amis pour jouer avec toi, là, tout de suite, eh ben, tu t'ennuies. Parce que c'était le cas, hein. On s'ennuie vite. Hein. En plus, t'as pas forcément besoin d'amis avec toi. Et c'est dommage pour pouvoir avancer, il y a juste 2-3 trucs, 2-3 items à récupérer où t'as besoin de quelqu'un, mais sinon, bof. Enfin voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, sur Spelunker Party. Je suis pas fan du jeu, je suis pas fan du soft, je suis pas fan de l'expérience que je viens de faire avec ce fameux jeu qui est estampillé Square Enix, qui n'a rien de Square Enix, c'est dommage, parce que ça aurait pu être plus sympa. Enfin voilà les amis, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu t'es bien amusé avec moi, même si t'as pas joué avec moi, mais j'espère que t'as passé un bon moment quand même. Et si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager. Et je sais plus la fin. Ah ben oui, ben le pouce bleu évidemment, le pouce bleu. Pense-y si la vidéo t'a plu et si le concept te plaît de ma chaîne, hein, c'est le truc bien sympathique, bien présentation de jeu, présentation des RPG, petit let's play. Oui, c'est vrai que depuis quelques temps, je ne fais plus ou peu de let's play parce que j'avais trouvé que... Bah, j'avais l'impression que ça vous ennuyait un petit peu, tu vois. Ou peut-être parce que les jeux que je faisais en let's play te plaisaient pas forcément. Et ben, ce que tu peux faire, c'est en commentaire, tu vois, le truc en bas, là, ouais, où tu mets des lettres. Et ben, tu mets un let's play, tu dis par exemple, tiens, je voudrais que tu me fasses un let's play sur tel jeu. Et ben, je dirais peut-être oui, peut-être, je te dirais oui, pourquoi pas, ouais, ça peut être sympa. En tout cas, ça serait sympa de savoir ce que vous pensez pour la suite, ou me donner quelques idées. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao, ciao.